السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. نرى الحضور في الوقوف دقيقة صمت وحداد على روح الشهيد معمر المتافي وعلى كل الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صحفي النصرة القائد الشهيد معمر القذافي التي قدمت الوطن أسوة بكل أسرة ليبية شريفة الشهداء والأسرى والمهجرين، وهي تتابع مجريات الأحداث في ليبيا التي تكشف عن تهور الجماعات الإرهابية وميليشيات وجماعات مسلحة أخرى تتغير مسمياتها يوميا وتفرض سطوتها بقوة السلاح إلى التهجير والنزوح الممنهج والقسري والانهيار الكامل لمهمومة الدولة واستشراء الفساد غير المسبوق وتردي الأوضاع المعيشية علاوة على انتشار السلاح واستباحة الأرض والعرض وانتشار السجون السرية وغيرها، والتي تعتقد فيها أفضع الجرائم التي تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي كان تدخله في ليبيا تحت ذلك حماية المدنيين. فأين هم اليوم من كل هذا؟ خصوصا بعد اعتراف أبرز قادة الدول الكبرى التي قادت تلك الحرب الشعواء بأنها ارتكبت خطأ فادحا بالتدخل الذي بني على مغالطات وتقارير صحفية مضاملة. La famille de notre dirigeant martyr, Mouammar Kadhafi, s'est sacrifiée et a été sacrifiée, tout comme tellement d'autres familles libyennes honorables qui ont offert aux martyrs les prisonniers et les personnes déplacées au sein de leur communauté. Nous observons les événements en Libye et ceci révèle l'effondrement complet du système d'État. Le contrôle de milices et de groupes terroristes a conduit au déplacement massif et forcé de populations, ainsi qu'à un niveau de corruption sans précédent. Et tout cela comporte aussi la détérioration des conditions de vie du peuple libyen. Les armes qui sont dispersées et les détentions secrètes ainsi que ce sont les crimes qui sont contraires à toute valeur humaine et morale, et ce sont des crimes qui sont commis tous les jours. Tout ceci s'est produit, se produit encore, sous le regard et aux oreilles de la communauté internationale. Ceux-là même qui sont intervenus en Libye sous prétexte de protéger les civils. Alors, où sont-ils maintenant, en ce moment, aujourd'hui, tous ces gens qui ont provoqué tous ces crimes? C'est particulièrement dramatique après la reconnaissance par les dirigeants des plus grandes nations au monde qui ont déclaré la guerre à la Libye, déclaration selon laquelle ils reconnaissent avoir commis une grave erreur dans une intervention construite sur des rapports de presse falsifiés et qui désinformaient. فإنها تصدر البيان الآتي: أولاً، أسرة القائد الشهيد معمر القذافي ومعها كل حرارة العالم تطالب المجتمع الدولي بمؤسسات ذات الصلة القيام لفتح تحقيق فوري في قضية اغتيال القائد
الشهيد معمر القذافي ورفاقه على غرار قيامهم بإنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري، كما يتعين اتخاذ ما يلزم لاستلام وفاتهم وفتح تحقيقات دولية حول الجرائم التي ارتكبها حلف الناتو ضد المدنيين العزل، وكذلك التحقيق في طبيعة العمليات العسكرية لحلف الناتو وفقا لمضمون القرارين 1970 و 1973. وهنا نتساءل لماذا وكيف انتهت مهام حلف الناتو وحماية المدنيين بالتزامن مع عملية عسكرية قام بها صلاح يوم 20/10/2011 لرد القائد الشهيد معمر القذافي، ولماذا اضطرنا هذا التاريخ والتوقيت بنهاية عمليات حماية المدنيين بالنسبة له؟ De la famille du dirigeant martyr Mouammar al-Kadhafi. Premièrement, la famille de notre dirigeant martyr Mouammar al-Kadhafi invite la communauté internationale et ses institutions les plus pertinentes à ouvrir immédiatement une enquête sur l'assassinat de Mouammar al-Kadhafi et de ses compagnons, de la même façon que il faut instaurer rapidement un tribunal international spécial qu'avait été instauré un tribunal international spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Rafik Hariri au Liban. La communauté internationale doit aussi prendre les mesures nécessaires pour retrouver les restes du dirigeant Kadhafi et de ses camarades. Il faut ouvrir des enquêtes internationales sur les crimes qui ont été commis par l'OTAN contre les civils sans défense et comme pour, de même que pour ce qui concerne la nature des opérations militaires de l'OTAN dans le contexte des résolutions 1973 et 1970. Et ici nous posons une question. Pourquoi se fait-il que l'OTAN ait suspendu ses opérations militaires qui, prétendument, devaient protéger la population civile le jour précis du 20 octobre 2011 lorsque le convoi du dirigeant Kadhafi a été frappé? وبعثتها خاصة لدعم في ليبيا ومنتدى خاص بالاعتقال التعسفي بجنيف بضرورة التدخل للإفراج عن الأخ الساري معمر القذافي الذي دعا الفريق العام التابع للأمم المتحدة ضرورة إطلاق سراحه في أبريل 2016، والذي أصدر قضاء ليبي حكما ببراءته وإطلاق سراحه في 3 أبريل 2018، وحتى هذه الساعة لم يتم تنفيذ حكم القضاء الليبي بالإفراج الفوري عنه، كما محمل كل الأطراف ذات العلاقة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تجاه تنفيذ حكم القضاء والمحافظة على سلامة الأخ السعدي، كما نطالبهم بالمساهمة فعالة للإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين الذين يخضعون في السجون منذ أكثر من 7 سنوات دون محاكمة أو حتى توجيه التهم إليهم، ومتابعة ملف المفقودين والمهجرين قسرا في الداخل والخارج، وضرورة جبر ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي. Deuxièmement, la famille du dirigeant martyr Mouammar Kadhafi demande aux Nations Unies et spécialement à sa mission pour la Libye ainsi qu'au groupe de travail sur les détentions arbitraires à Genève d'intervenir pour la libération de M. al-Saadi Mouammar Kadhafi, qui a été acquitté par le système judiciaire libyen depuis plusieurs mois déjà. Le groupe de travail de l'ONU a demandé à ce qu'il soit libéré en avril 2016 déjà. Et le tribunal et la décision subséquente du tribunal libyen de le relâcher immédiatement n'a toujours pas été exécutée. Alors, nous mettons tous ceux qui sont responsables face à leur devoir moral et légal.
Dans ce domaine, nous appelons aussi toutes les parties concernées de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire relâcher les prisonniers illégalement détenus et arbitrairement maintenus en prison depuis plus de 7 ans, sans procès ou même sans accusation. Ils doivent aussi considérer ceux qui ont été déplacés de force, soit dans le pays, soit à l'étranger, et la nécessité d'envisager une réparation pour les dommages qu'ils ont subis, dommages matériels et moraux. ثالثا نصرت القائد الشهير معمر قذافي تشدد على رفضها لاستمرار تطبيق العقوبات الدولية غير قانونية وغير مبررة ضدها والتي صدرت بناء على أكاذيب وتضليل ممنهج كما تستغرب منهج مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا والتي تعاقب الأفراد لانتمائهم العرقي ولأسمائهم بدلا من أفعالهم الفردية فبدلا من معاقبة السيدات الأبرياء وأفراد الأسرة على نحو غير قانوني ومبرر كنا ننتظر أن يتم ملاحقة وإدراج أسماء الإرهابيين ومختلسي أموال الشعب الليبي ومجرمي الحرب مرتكبين أبشع الجرائم والانتهاكات التي تمارس بشكل يومي في ليبيا. Troisièmement, la famille du martyr Muammar Kadhafi exprime sa préoccupation au sujet de sanctions qui continuent à être appliquées et qui sont à la fois inutiles et sans fondement. Des sanctions basées sur des allégations vagues ou mensongères et qui les pénalisent et qui pénalisent les gens de la famille de Muammar Kadhafi simplement sur la base de leur nom et non pas selon leurs actes individuels. Au lieu de punir des femmes innocentes et les membres de la même famille, en dehors de toute légalité, le Conseil de sécurité devrait plutôt se centrer sur les gens qui constituent actuellement de véritables risques pour la paix et la sécurité de la Libye. Par exemple, des terroristes, des milices illégales qui ont continué à commettre des crimes impunément et des individus corrompus qui continuent à piller les ressources de la Libye. رابعا وصفت القائد الشهيد معمر قذافي تعرب عن تطلعها ان تلتزم محكمه الجنايات الدوليه باحترام قرار العداله المحليه في ليبيا والاعتراف بقانون العفو العام والافراج عن الدكتور سيف الاسلام معمر قذافي فعلى الرغم من انه تمت محاكمته في ليبيا وفقا للاجراءات القانونيه المعترف والمعمول بها في المحاكم الليبيه والتي اختتمت بقانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن البرلمان الليبي بتاريخ 28 يوليو 2015 والمعمول به أمام المحاكم الليبية حاليا غير أنه من المؤسف أن مكتب المدعي العام لم ينشغل إلا بمتابعة قضية الأخ دكتور سيف الإسلام والتي فصل فيها قضاء ليبي كما ذكر آنفا فالذي ينبغي للمدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية القيام به هو فتح التحقيق في الجرائم التي من فك أن يذكرها في تقاريره والتي تصنف من الجرائم التي يتوجب التحقيق فيها وفقا لميثاق روما ونذكر هنا بدعوى الأخ دكتور سيف الإسلام ساحب الأيادي البيضاء ورائد برامج حقوق الإنسان في ليبيا والذي ساهم في انطلاق مسيرة المصالحة الوطنية والحوار والمساهمة في إطلاق سراح السجناء في الداخل وفي تحرير العديد من الرهائن المختطفين من جنسيات مختلفة في العديد من دول العالم ونؤكد على طبيعة شخصيته المدنية فهو لم يكن يوما قائدا عسكريا أو ميدانيا كما يتم الترويج له في التقارير المغلوطة والمزيفة. Quatrièmement, la famille du dirigeant martyr Muammar Kadhafi exprime le souhait que la Cour internationale de justice se restera fidèle à son mandat de donner la priorité à la justice locale. Et qu'en conséquence, elle en finisse avec le cas qui concerne le docteur Saïf al-Islam. Il faut reconnaître la libération absolument conforme aux lois de Saïf al-Islam. Malgré cela,
Il a été poursuivi selon les procédures légales reconnues dans les cours libyennes, dans les cours de justice libyennes, et cela a débouché sur l'amnistie générale, la loi d'amnistie générale numéro 6 de 2015. Cette loi a été promulguée par le Parlement libyen le 28 juillet 2015 et elle est acceptée dans toute sa validité par les tribunaux libyens. La famille du martyr vous rappelle quel a été le rôle de Saïf al-Islam. Il a été le pionnier des programmes de droits humains en Libye. Il a contribué à entamer le processus de réconciliation nationale, de dialogue et de participation à la libération des prisonniers, ainsi que à la libération de nombreux otages de différentes nationalités dans plusieurs pays. Le docteur Saïf al-Islam est un civil. Il n'a jamais été un chef militaire comme le proclament les rapports de journalistes malhonnêtes. Le procureur de la Cour internationale de justice devrait ouvrir une enquête sur les crimes qu'il a décrits lui-même comme des crimes regrettables dans son rapport sur la Libye. Et pourtant, le procureur du bureau général ne se soucie que de continuer à persécuter le docteur Saïf al-Islam, alors que ce qui constitue une violation du système judiciaire libyen, comme nous l'avons déjà dit. والجامعة العربية ومواطن منظمة الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان عن قضية رهين الطائفية الأخ حنيبال معمر قدافي والذي تم اختطافه من الجمهورية العربية السورية بتاريخ 11 ديسمبر 2015 ونقله إلى الجمهورية اللبنانية وقيام مختطفيه بتعذيبه واستمرار احتجازه واتهامه بذريعة قضية الإمام موسى الصدر والتي لم يتجاوز عمر الأخ هانيبال العامين عند حدوثها والتي يهمنا نحن أيضا معرفة ملابساتها. Cinquièmement, la famille du dirigeant martyr Mouammar Kadhafi exprime ses regrets sur le silence de la communauté internationale, de la Ligue arabe, de l'organisation de la conférence islamique et des droits de l'homme, des organisations des droits de l'homme. Sur le cas de l'otage du sectarisme que constitue M. Hannibal Muammar Kadhafi. Il avait été kidnappé par la République syrienne arabe en le 11 décembre 2015. Puis il avait été transféré dans la République du Liban. Le prétexte de son enlèvement et de sa détention prolongée était en rapport avec l'affaire de l'imam Moussa Al-Sadr. Cependant, lorsque l'imam Moussa Al-Sadr avait été kidnappé, M. Hannibal n'avait pas 3 ans à cette époque. Il avait juste 2 ans. La vérité est extrêmement importante sur ce cas pour nous aussi, et nous voulons savoir ce qui s'est passé vraiment dans cette affaire et les circonstances de cette affaire. سادسا، أسرة القائد الشهير معمر قدافي تستنى من منطلق الواجب الوطني جميع أبناء الشعب الليبي بجميع مكوناته في الداخل والخارج بدون استثناء أو قصار، سيما بعدما اتضحت خيوط المؤامرة بعقد مؤتمر وطني جامع داخل الوطن، وتؤكد في هذا الصدد إنها ليست وصية على الشعب الليبي ولا تطمح إلى الوصول للسلطة، ولكنها تتطلع لدور القبائل في نبض الخلاف ونزع فتيل الفتنة والمصالحة واستتباب الأمن والأمان والسيادة الوطنية والدافع بمسيرة التنمية والتطور، وأن الشعب الليبي هو المخول الوحيد لتقرير مصيره ومستقبله. وإذا كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جادة في إيجاد حل للأزمة في ليبيا، فعليها بالتوجه إلى الشعب الليبي
متمكنا في قضائه وقياداته الاجتماعية، فهي أدرى بمعالجة مشاكلها وإيجاد الحلول الناجعة لها. إن الطريق إلى لم الشمل والمصالح العادلة هو مشروع ليبي تحققه تطلعات القضاء الليبي بدون تدخلات أو إملاءات أجنبية أو وصاية، وبعيدا عن الشعب وبعيدا عن المتلونين والمشقين عن جذورهم وأخلاقهم. كل هؤلاء لا يتعدى دورهم عن كونهم بياض الاقتداء على إطالة أمد الأزمة والمعاناة التي يعيشها الشعب الليبي. فهؤلاء لا يمكن حتى تقرير مصيرهم الشخصي عوضا عن تقرير مصير الشعب الليبي. وأخيرا واستنادا لما تم ذكره، فإن أسرة القائد الشهيد معمر البتافي تضع المجتمع الدولي بكافة مؤسساته أمام تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، كما تحث وسائل الإعلام سيما الصادق منها بضرورة تسليط الضوء على هذه القضايا ومعاناة الشعب الليبي. صدر في باريس بتاريخ 13 ديسمبر 2018. Sixièmement, la famille du dirigeant martyr Mouammar Kadhafi se sent encouragée par le sentiment du devoir national de s'adresser à toutes les composantes du peuple libyen dans le pays et à l'étranger sans exclusion, de façon à ce que se tienne une conférence nationale sur le territoire libyen. Dans cette perspective, nous soulignons que nous ne sommes pas les gardiens du peuple libyen, que nous n'aspirons pas au pouvoir. Cependant, nous tenons à voir la Libye tourner la page, entrer dans une nouvelle étape de son histoire, avec un peuple libyen qui travaillera ensemble et dans le plein respect des droits égaux de chacun, ainsi que en tenant compte à la fois des erreurs commises et des grandes réussites du passé. Nous sommes confiants dans le fait que la voie vers la réconciliation, la sécurité et le salut dépend à la fois de la volonté du peuple libyen et des tribus qui poursuivent les mêmes buts ensemble. Le droit du peuple libyen et des tribus pour atteindre ses buts sans interférence étrangère. La souveraineté dans tout le pays doit être impulsée. C'est la seule façon de parvenir au développement et au progrès dans tous les secteurs de l'activité. Le peuple libyen est le seul qui est autorisé à déterminer son destin et son avenir. Si la mission de l'ONU en Libye est sérieuse et cherche sérieusement une solution à la crise en Libye, eh bien, ils doivent revenir au peuple libyen qui est représenté par les tribus et par les dirigeants de la société civile. Les tribus et les dirigeants de la société civile connaissent parfaitement leurs problèmes et ils sont capables de trouver des solutions efficaces à la crise libyenne. Un futur juste, équitable et sûr sera toujours en atteinte tant que ceux qui sont au pouvoir continuent à n'avoir pour intérêt que leur intérêt personnel ou bien des intérêts étrangers, au lieu de considérer ce qui est le meilleur intérêt pour le peuple libyen. Finalement, sur la base de tout ce qui vient d'être dit, la famille du dirigeant martyr Mouammar Kadhafi appelle la communauté internationale à faire face à ses responsabilités légales, morales et humanitaires. Et nous appelons les médias de toute urgence, et en particulier les gens qui sont sincères au sein des médias, à mettre en lumière toutes ces questions. Fait à Paris le 13 décembre 2018. على المشاركة الفعالة، لو فيها يسأل أو شيء معين بخصوص، لأن مش حيكون في عندنا وقت بعدين، فلو فيها يسأل أو On aura après du temps parce que là on va devoir aller en pause.
vous avez des questions éventuellement, il s'agit d'un communiqué de presse, un appel à la justice, un appel à l'unité. Donc si vous avez des questions, je vous prie de bien vouloir les écrire et être concis, afin qu'ils puissent y répondre après à la deuxième partie. Là, je vais vous inviter, enfin le comité vous invite à manger, à déjeuner. Et si vous avez des questions, peut-être une question ou deux qui est concise. Une question, monsieur ? Allez-y. Peut-être une question ou deux. Un peu de patience. Je crois que le dilemme de Saad Mansouri, de l'institution de la Rodière, pour le Hadam, هذا المؤتمر ستعقده مؤتمرات مماثلة في دول أوروبية أخرى لتعلن عن دعم ترشيح الأخ سيف الإسلام القذافي في انتخابات مصر المقبلة. شكرا لسؤالك. كما ترى وراءك أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي للدفاع عن حقوق الشعب الليبي وليس رعاية انتخابية للدكتور سيف الإسلام. وكما ذكرنا في البيان أن أسرة القائد لا تطمح إلى السلطة وليست وصية على الشعب الليبي، إنما من واجب المنطلق الوطني وحرصها على ما يجري الآن على الأرض الليبية، فإنها تتوجه بهذا النداء إلى الشعب الليبي لعقد مؤتمر جامع داخل الأراضي الليبية بدون إمناء أو شروط خارجية. والكلمة الفصل هي الشعب الليبي، الشعب الليبي يقرر ما يريد، ما هو أطفال الليبيين، يكفي من العدد ويكفي من إراقة الدماء ويكفي من القتال. يجب أن الليبيين يتفاهموا على مشروع واحد وهم اللي قرروا مصيرهم. وشكرا لسؤالك. L'étranger cesse de s'ingérer dans les affaires libyennes et que la souveraineté revienne au peuple de Libye. Il aimerait que le peuple, enfin c'est pas il aimerait, il parle au nom de la famille Kadhafi et au nom des Libyens, que les Libyens reprennent leur pouvoir et leur souveraineté. Voilà, c'est à peu près ce qui a été dit, je pense avoir été un peu juste. Non, sachant que c'est une conférence qui n'est pas liée à une communauté de presse. D'accord, oui. International dans les défenses, pour le devoir, sur la défense des rois des peuples libyens, qui existe depuis 2016, et que plusieurs conférences en Genève, le 20 décembre l'année dernière, c'était aussi à Paris le 30 septembre 2016 aussi. Donc, c'est à l'occasion de cette conférence, il y a un communiqué de presse. Donc, ce n'est pas une conférence publicitaire, l'action, des choses comme ça. Aussi, comme on l'a dit dans le communiqué de presse, que la famille de Guy, il est bas, qui était sur la peuple libyen, il est bas, comme on savait, de volontiers à diriger l'État, des choses comme ça. C'est un appel d'unité entre le peuple libyen, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas de volonté morale et sociale aussi. Il de réclame justice pour la famille, mais c'est tout. Dedans, il n'y a pas de volonté politique. Hein. C'est uniquement un appel au peuple et à l'unité du bien. C'est un communiqué de presse indépendant. Voilà. Peut-être une dernière question. Allez-y, madame. صباح الخير. شنو الجزائريه؟ السؤال بالنسبه طلبتم تحقيق في قضيه اغتيال الرئيس السابق معمر القذافي رحمه الله، لماذا الانتظار 7 سنوات؟ اليوم مطالبه تحقيق دولي. طبعا القضيه هذه تم اطلاعاتها من البدايه، ونحن لو شفت البيان احنا كنا نوافق مره اخرى ونطالب مره اخرى، يعني هذه فرصه اخرى ان احنا صرنا يوصل للاعلام ويوصل للمنظمات الدوليه. بعض المنظمات قامت بالخطوه هذه، محكمه الجنايات الدوليه قامت باصدار قرار مش قرار يعني قامت باصدار توصيه للتحقيق
في الاغتيال الطالب الشهير معمر قذافي، لكن قرر المسلسل في الهضاج ولم يتم التعامل معها داخل الدولة الليبية القائمة حاليا. لكن الموضوع مطار من قبل، يعني ممكن ما كنتش متابع على الموضوع، بس مطار الموضوع. وأصدرت المحكمة التجارية الدولية أمر بتحقيق الاغتيال، ولكن تم طي صفحته وخشف الدرج. يعني احنا بنطلعه مرة ثانية، بس كان في حد ممكن تسعى إلى Alors la question c'était pourquoi avoir attendu 7 ans pour vous faire pour parler, pour vous faire entendre. Donc le porte-parole il a expliqué les nombreuses actions qui ont été faites depuis lors. Ils ont parlé au Maroc depuis 2011 déjà. Ils font de nombreuses conférences. Il y en a une conférence à Genève également. Le problème, c'est qu'il y a une volonté de silence de la part des médias, une volonté de réduire la femme au silence, une volonté de réduire le peuple libyen au silence. Donc on le partage pas généralement, mais il y a des actions qui sont faites, les nombreuses qui ont été citées par le porte-parole au Maroc, Genève, etc. Solliciter la justice civile d'ouvrir une enquête sur l'assassinat et la façon de mort de notre fille, Maroc et David. Malheureusement, elle n'était pas acceptée, il n'est pas suivi de ça. Et la justice civile n'a pas pris ça en question, aussi une silence médiatique. Ça ne va pas dire à madame de nous aider de parler de ça. Pourquoi vous gardez le silence depuis 2011 La famille a continué toujours à demander au comité international d'ouvrir un enquête par rapport à ça. Malheureusement, ils ne peuvent pas de retour parce que Syrie City, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Une autre question ? La question est pourquoi vous ne tentez pas le Cour européen de justice ? In our communication at the moment, we were calling upon all the responsible bodies, volunteers, human rights associations to stand with us in this case. So if you think that's appropriate, you can give us your proposal. And we are from and with the people, so you can assist us in that. You're welcome. But we cannot do all of these things at the same time. Comme nous avons mentionné dans notre communiqué de presse tout à l'heure, on a fait des appuis au comité international, des organisations des droits de l'homme, des sociétés civiles, dans tout le monde, de travailler avec nous pour ça. Mais si vous avez une proposition, pourquoi pas? On va prendre une autre question. Elle est juste ici. Bonjour, moi je n'ai pas de question à poser réellement, c'est juste un soutien que je comprends vous amène. Je représente une association qui s'appelle la Souveraineté panafricaine, qui est attribuée sur Paris, qui regroupe d'énormes pays africains. Il y a une forte mobilisation il y a quelques mois sur l'esclavagisme qui se passe en Libye, de la façon dont les Libyens, certains Libyens traitaient le reste de la population africaine, notamment la population noire. Nous avons été mobilisés devant l'ambassade et devant nos institutions libyennes pour montrer notre mécontentement et demander la dignité humaine et ce non-traitement de l'esclavagisme.
mais en étant moi-même congolaise, d'origine congolaise, je sais ce que Mouammar Kadhafi a fait pour l'Afrique noire, je sais ce qu'il a fait pour le Congo particulièrement, les Zaïre, la collaboration qu'il a eue avec nos élites que nous appelons EMS, Emmanuel Lumumba, qui s'est battu pour la liberté et l'indépendance de l'Afrique, de la, du Congo en particulier. Et nous savons exactement que les médias, comme l'a dit tout à l'heure M. Bruno, ont une emprise, ont un monopole de l'information qu'ils veulent diffuser pour suivre les peuples les uns contre les autres, notamment pour créer la division. Et nous, c'est vraiment un soutien et un appel à l'unité de l'Afrique noire et de l'Afrique sahélienne, arabe, pour dire ainsi. Cette unité, on donne notre soutien au peuple libyen pour cette lutte pour la liberté des droits humains, parce que si on l'obtient en Libye, on l'obtiendra également dans les autres pays africains. Merci. أقول أنها تمثل مناظرة على حيفا وتقول أيضا في النص المنغولي أقول ليس لديها سؤال لكن لديها مداخلة وهي تؤيد نهج العائلة في مقدمة واعتراض وكان أيضا من ضمن المتظاهرين أمام السفارة الليبية ردا على المعركة الماضية بالرقيق أو تجارة الرقيق في نصف ليبيا وتعتبرها تصديقا على الدور الاقامي لاحقاق التطور ونحن قضايا عليه بشكل من اعمال الجبار في افريقيا لا تحصى ولا تعد وايضا تحذر من يعني تؤيد ما قاله صاحبي سيف ميشيل كولون في مداخلته بخصوص الدور الاعلامي وخطوره الدور الاعلامي للاسف الشديد في هذه الصراعات. Thank you for your kind intervention. And we count on the young generation of Africa to present the meaningful and the specified case of the family. Thank you. We have the third question. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Combel, je suis naturaliste écrivain, j'ai vécu entre l'Amérique du Sud et puis la France. Un de mes beaux-frères est l'ancien président du Pérou, Roberto Balasso. Et tout à l'heure, Michel Colomb a souligné que Mohamed Kadhafi avait l'intention de créer, d'apporter tout son soutien à une union africaine. Alors, je veux dire qu'en Amérique du Sud, Kadhafi et son livre vert ont beaucoup inspiré. Le Venezuela et surtout le président Chavez qui a été assassiné. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'à l'issue de cette journée, un communiqué soit fait spécialement à l'attention des frères, de vous, tous vos frères d'Amérique du Sud, en espagnol. Voilà, merci. Personnellement, ayant aussi l'expérience de l'Amérique du Sud, je voudrais rappeler à quel point le gouvernement cubain a soutenu Kadhafi. C'est l'analyse du président cubain, Fidel Castro, qui a permis à d'autres pays, à d'autres dirigeants latino-américains, de prendre au sérieux la Jamaïda, la révolution de Kadhafi, ses objectifs et éventuellement ses méthodes. Monsieur le représentant de la famille, il faut que vous fassiez bien comprendre à la famille Kadhafi qu'en France, nous sommes carrément sous une chape de plomb pour tout ce qui concerne la nuit et tous ceux qui soutiennent la nuit sont carrément diabolisés. Je fais la voix de la famille depuis mars. On me l'a bousillé à chaque fois. Sur Internet, tous les deux mois, je vais recommencer. Et puis aussi, je suis le président du Comité international pour la défense des droits du peuple libyen. Et nous n'arrivons pas à faire passer quelque chose, à faire comprendre aux gens les mensonges qui ont été évités à longueur d'année. Il faut bien que nous leur fassions comprendre à la famille, à la vie, que nous sommes sous une chape de plomb en France. Donc, je suis en train de dire que nous sommes sous une chape de plomb.
طيب لا ما كان يقول العلاقة بين الشعوب وليس بين الحكومات. مرات دعاء مستتاب. Déjeuner ensemble, si vous pouvez voir. On va retourner ici dans un heure.